Bonsoir et bienvenue pour le nouveau bulletin météo de ce mardi 5 novembre 2019. Avant de commencer le bulletin météo, je tenais à vous dire que ce bulletin météo sera fait sur le téléphone parce que j'ai la flemme de le faire sur l'ordi tout simplement. Et voilà. Donc, on commence par la prévision des orages sur 3 jours, avec pour ce mardi 5 novembre 2019 un risque d'orage qui est présent sur une bonne partie du territoire, un risque qui est malgré tout faible à modérer en raison donc d'une traîne active qui se met en place sur pas mal de régions. Pour demain, aucun risque d'orage n'est a priori prévu. Pour jeudi, une traîne à nouveau devrait être de nouveau active en apportant des averses, parfois à caractère orageux, sur une bonne moitié ouest du territoire. Toujours avant de commencer ce bulletin météo, je tenais à vous remercier pour les 198 abonnés. On approche des 200 abonnés, plus que 2 abonnés et on y est. Bien. Eh bien, on peut tout de suite commencer le bulletin météo pour ce mercredi 6 novembre. Le matin, le temps sera mitigé sur pas mal de régions avec une bande pluvieuse s'étalant du sud-ouest jusque vers le nord-est du territoire. À l'ouest, un ciel de traîne se mettra en place avec des averses, et puis de l'Ille-et-Vilaine jusque vers la région charentaise. Le temps sera bien calme avec des éclaircies, y compris pour la Corse. Le temps sera malgré tout mitigé pour la Corse avec quelques averses. Le matin, les températures seront bien fraîches pour tout le monde. 8 degrés pour Nantes, 8 pour Angers, 8 pour Rennes, Caen, 9 pour Paris, 7 pour Orléans, 8 pour Clermont-Ferrand, 9 pour Lyon, 8 pour Nîmes, 4 pour Gap, 8 pour Strasbourg, 7 pour Metz, 8 pour Lille ou encore 7 pour Reims. Pour l'après-midi, le ciel de traîne va prendre place sur pas mal de régions, sur une bonne moitié ouest du territoire en apportant des averses qui pourront être à caractère orageux parfois, et puis quelques averses aussi qui sont possibles sur la Corse. Les restes de la dégradation qui resteront visibles sur le nord-est du territoire et puis sur la pointe bretonne, une nouvelle dégradation commencera à faire son apparition avec de petites pluies faibles, un soleil franc qui devrait bien briller sur la Méditerranée. L'après-midi, les températures ne devraient pas évoluer ou peu. 12 degrés pour Nantes, 11 degrés pour Angers, 11 pour Limoges, 11 pour Clermont-Ferrand, 12 pour Lyon, 9 pour Gap, 15 pour Nîmes, 6 pour Annecy, 9 pour Montbéliard, 11 pour Strasbourg. Pour votre soirée, le temps sera toujours mitigé sur pas mal de régions avec une nouvelle dégradation qui se mettra donc en place sur pas mal de régions avec de petites pluies faibles, voire de bonnes précipitations sur le sud-ouest du territoire et possiblement des pluies orageuses qui pourraient se déclencher en début de soirée vers la Bretagne. Pour les prochains jours, le mercredi, pour le jeudi 7 novembre, le temps s'annoncera une nouvelle fois mitigé avec alternance de nuages et d'éclaircies ainsi que de pluies et averses, avec donc ces possibles averses à caractère orageux qui pourront se déclencher sur le sud-ouest du territoire, un ciel voilé sur les côtes méditerranéennes et puis un temps qui devrait bien être calme sur la Corse également. La traîne sera donc bien positionnée sur pas mal de régions. Pour vendredi, le temps s'annoncera calme enfin pour pas mal de régions avec du soleil et des éclaircies, un ciel qui pourra légèrement se voiler de la Méditerranée jusque vers la Savoie et puis quelques averses qui pourront se déclencher aussi vers la région bordelaise. Des bonnes précipitations qui aussi vont se déclencher sur les Alpes-Maritimes ainsi que la Corse pour votre vendredi. Pour le début de week-end prochain, il s'annonce a priori mitigé sur le ouest du territoire.
territoire avec un temps couvert parfois avec des averses. Et puis pareil pour une petite moitié est du territoire, notamment de la Savoie et des Alpes-Maritimes jusque vers la Corse avec donc ces averses. Et puis partout ailleurs, le temps devrait être bien calme avec du soleil et des éclaircies pour votre fin de week-end. C'est l'instabilité qui va reprendre le dessus avec des averses pour le début de semaine du lundi 11 novembre. Le temps sera toujours instable avec des averses, parfois à caractère orageux sur la Méditerranée et la Corse. Pour les prochains jours, le mardi 12 novembre s'annonce une nouvelle fois instable avec des averses, parfois à caractère orageux. Mercredi, ce sera également le cas. Pour jeudi, pareil. Vendredi, pareil, même si l'instabilité va régresser sur pas mal quand même de régions. Vendredi, pareil. Donc samedi, pareil. Dimanche, pareil. Pour lundi, ce sera pareil. Bien. On va se laisser ici comme d'habitude avec l'indice UV du jour, avec une indice UV qui sera globalement de 1 à 2 et sur Massif Central et la Savoie, l'indice UV sera de 0. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous. Et quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Une vidéo autre que la météo. De toute façon, vous verrez. Allez, à tout à l'heure.